Bonjour à tous. Là signifie tout est déjà bien, tout est déjà bon. Bon là signifie déjà. Déjà bon. Déjà bien. C'est parce qu'au-delà de ce qu'on en pense, au-delà de ce qu'on en ressent, au-delà de l'idée qu'on s'en fait, le moment présent est déjà bon, déjà bien. Il est déjà harmonieux, déjà complet. Il intègre tout et tout le monde. Il n'oublie personne. C'est un tout harmonieux dans lequel nous sommes pleinement intégrés. Pour faire une expérience plus profonde de cet état, nous allons fermer les yeux et revenir à l'intérieur. Les yeux. Observez les yeux. La conscience, l'observateur intérieur observe les yeux. Observez les oreilles. Même on peut dire regardez les oreilles. Bien sûr, gardez les yeux fermés. Écoutez les sons. Regardez la bouche, regardez les dents, la langue, le palais. La bouche est un endroit très très riche. Dans la bouche, il y a un palais. Souriez avec la bouche. Et rendez-vous compte que vous venez de choisir de sourire et que la bouche suit votre choix. De l'intérieur, vous avez choisi et la bouche ne fait que suivre. Souriez et observez le nez. Prenez conscience de l'air qui entre et qui sort. Souriez et observez dans toute la tête, le visage, le crâne et les cheveux. L'intérieur de la tête. Tout l'intérieur de la tête se relâche. Souriez à l'intérieur du cou et de la gorge. Souriez dans les épaules et les bras.
qui se relâche. Souriez dans la poitrine et le haut du dos. Les seins, les pectoraux, le haut du dos et les omoplates, les poumons, le cœur. Toute la cage thoracique. Souriez dans toute la poitrine. Souriez dans l'abdomen et le bas du dos. Sentez que vous pouvez observer toutes ces zones depuis l'intérieur. Que votre sourire provient d'un état intérieur, un état de conscience, un état d'esprit qui est souriant. Souriez dans la colonne, puis le coccyx, le sacrum, jusque dans toute la colonne et le cerveau. Pairoé s'étire vers le haut, sommet de la tête s'étire vers le haut, le menton rentre. Rueyin, le chi du périnée doucement se ferme vers le haut. Depuis Pairoé, le sommet de la tête fait doucement onduler la colonne d'avant en arrière. Ressentez la colonne et le système nerveux central qui ondule légèrement par le sommet de la tête. Se relâche et se vide. Souriez dans le bassin, les hanches et les jambes. Arrêtez le mouvement. Observez et souriez dans les hanches, le bassin, les jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Souriez dans tout le corps de Chi et recommencez à onduler depuis le sommet de la tête et ressentez que c'est tout le corps qui ondule doucement. Sommet de la tête se relâche. Tout l'espace intérieur du corps ondule légèrement et mis en mouvement. Tout l'espace intérieur du corps se relâche. Se vide. Se
se vide. Et s'ouvre dans le grand espace, dans le grand champ de chi et d'énergie, dans le grand vide. Imaginez le grand vide. Le grand vide, c'est l'univers, c'est le ciel, c'est vide sans limite. Dans toutes les directions, c'est simplement vide, rempli d'une énergie infinie, primordiale, essentielle. C'est l'essence du ciel. Vite. Dites chut doucement. Stop, tout le corps s'ouvre dans le chi de l'univers. Observez à l'intérieur du cerveau et des yeux. Le pur chi de l'univers revient dans le cerveau et les yeux qui deviennent très doux, très très doux. Très tendre, comme un bébé qui s'endort. La pure conscience, l'observateur intérieur clair, fusionne dans l'univers. C'est l'état de Minjue, l'état où l'observateur est Min. Clair, tu es observateur, un clair observateur. Observez clairement. Oh là. Nous fusionnons avec professeur Wei. Professeur du centre de Xi'an.
toute la communauté des professeurs chinois, particulièrement les professeurs qui ont fait la classe des 2 ans avec Dr Pang. Nous fusionnons avec le clair observateur de Dr Pang. Nous sommes à l'intérieur de sa conscience et il est à l'intérieur de la nôtre. Fusionnons avec tous les participants, tous les pratiquants de Dzogchen Qigong, tous vos amis, tous vos professeurs. Nous fusionnons avec tout le champ de conscience du Dzogchen Qigong. Nous fusionnons avec tout le champ de conscience éveillé de l'humanité. Soutenons-nous tous les jours. Collaborons tous les jours. Pour réveiller notre vie à une vie plus belle, plus harmonieuse, plus entière, complète et saine, plus humaine, plus libre. Nous recevons le soutien du champ de conscience et soutenons le champ de conscience et tous les êtres qui ont besoin d'aide, tout comme nous, tous les êtres qui font de leur mieux, tout comme nous. Ressentez la présence de la terre en dessous de vous. Ressentez la présence de la nature tout autour de vous. Tous les objets que vous portez, votre foyer et tout ce qu'il contient, tout provient de la nature. Tout a été pris à la terre-mère pour construire votre foyer, jusqu'au plus petit bout de plastique, tout provient de la terre. Avec les forêts, les montagnes, les rivières, les mers. L'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? N'y réfléchissez pas. Écoutez ma question et restez vide. Laissez la réponse émerger d'elle-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Soutenons-nous pour que ce que nous voulons vraiment, nous tous, se réalise. Ah, là. Ah, là. Le printemps dans la nature, c'est lorsque tout se met à pousser et à fleurir. Mais aucune des plantes, des arbres, des herbes ne planifie le fait de pousser ou de fleurir. C'est juste que ça se produit,
Comme tous fleurissent en même temps, c'est le printemps. Comme tous grandissent en même temps, c'est le printemps. C'est la vie qui fleurit et s'épanouit à travers eux, à travers la nature. La vie veut s'épanouir au travers de nous, grandir et fleurir. La vie a déjà un plan à l'intérieur de vous, au travers de vous, par vous, en vous. La vie veut grandir et fleurir. La vie a quelque chose qu'elle veut vraiment. Et ça ne peut passer que par vous. Vous êtes une plante unique, un arbre unique, une fleur unique. Aucune autre n'est la même et aucune autre ne le sera jamais. Ce que vous voulez vraiment est l'expression de la vie à travers vous. Au-delà de tout ce que vous en pensez, au-delà de toutes les émotions, au-delà de toutes les idées, la vie au travers de vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça se réalise déjà. Matériellement, peut-être ça n'existe pas encore, vous ne le vivez pas, mais dans ce moment, ce que vous voulez vraiment, vous en faites déjà l'expérience. Ça existe déjà. Et vous pouvez déjà avoir de la gratitude. Parce que dans ce moment, se décide déjà que ce que vous voulez vraiment, vous allez le vivre physiquement également. Il en va toujours ainsi. Des informations simples rassemblent de l'énergie qui se met en mouvement. Ce mouvement devient de plus en plus grand, se rassemble jusqu'à ce que la matière physique soit activée et qu'une situation se produise, que les choses prennent forme et se réalisent. Et à ce moment-là, on les vit physiquement, matériellement, dans la vie de tous les jours. Ça devient l'instant présent. Alors là, ce que vous voulez vraiment existe déjà, et en même temps, vous le vivrez plus tard, dans la matière. Car, comme on le dit, c'est l'âme attiert. La matière, c'est le tiers de l'âme. C'est juste l'un des trois niveaux. Qui est l'expression de ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de nous, que l'on appelle traditionnellement l'âme. Nous nous parlerons simplement de corps de chi, de conscience. Tout notre champ de conscience et d'amour s'ouvre et se développe
emploi dans le champ de conscience de l'humanité, de la nature, de l'univers. Illumine l'univers. Tout le champ de conscience et d'amour revient à l'intérieur du cerveau et des yeux. Observez et souriez au cerveau et aux yeux. Souriez aux yeux et clairement faites l'expérience que l'observateur est intérieur et qu'il observe les yeux. Confirmez cette expérience directe pour vous-même. Vivez-le. Ça, c'est l'état de Minju. C'est tout. Ce n'est que ça. Vivre clairement que l'on observe depuis l'intérieur avant d'observer par les yeux. Observez les oreilles. Minjue. Observe les oreilles. Canal auditif et le lien avec le cerveau. Tout est là. Minjue. Observe la bouche. Les gencives, les dents, le palais, la langue. Quand c'est Minjue qui observe, quand nous sommes conscients d'observer depuis l'intérieur, alors tout ce que l'on observe devient un peu plus pur. Un peu plus sain, un peu plus vite. C'est parce que l'observateur intérieur est un niveau de pureté supérieur, un niveau de chi plus pur. C'est le chi de la conscience. Et quand on est clairement conscient de ce chi, alors il s'active. Et répand sa pureté, répand son harmonie. Alors la bouche, les dents, la langue, les gencives et les mâchoires en bénéficient. Souriez au nez, souriez par le nez, un petit nez qui sourit. Souriez à toute la tête. En observant ainsi à nouveau, à partir de l'observateur intérieur, tout devient plus pur, c'est-à-dire plus sain. Le chi et le sang sont plus abondants, de meilleure qualité, circulent mieux dans tous les tissus, dans tous les espaces. Notre santé s'améliore. Et comme la santé de tout le monde s'améliore, de tout ce présent, alors nous formons un champ de chi et de conscience très sain, dont tout le monde bénéficie. Tout
Les membres de ce groupe sont en train d'observer à l'intérieur de votre tête. Et vous êtes en train d'observer à l'intérieur de la tête de tout le monde. Il n'y a qu'une tête. C'est la vôtre, c'est la mienne, c'est celle de chacun. Ce qui vous bénéficie à vous, bénéficie à tous, à chacun. Et le bénéfice de chacun vous bénéficie à vous. Tout le champ devient plus pur, plus efficace et transformateur. Tout le champ devient plus sain et harmonieux. Allah. Souriez à l'intérieur du cou et de la gorge. Très pur, très harmonieux. Souriez à l'intérieur des épaules et des bras. Des blocages de plus en plus profonds disparaissent. Des harmonies de plus en plus profondes se forment. Tout le chi et tout le sang se débloquent et circulent librement jusque dans des espaces très fins, très purs. Les bras s'ouvrent dans l'univers. Souriez à l'intérieur de la poitrine et du haut du dos. Les pectoraux et les seins. Le haut du dos et les omoplates. La cage thoracique. Les poumons, le cœur. Le cœur se recentre harmonieux. Voilà. Souriez dans tout l'espace interne de la poitrine. Le pur chi pénètre jusqu'à l'intérieur des os de la cage thoracique, là où est produit énormément de sang et de substances sanguines. C'est l'observateur intérieur qui observe et ressent. Très pur, très clair, le min tu es. Le clair observateur. Allah. Observez les yeux, confirmez l'expérience que c'est bien le clair, c'est bien l'observateur intérieur qui observe et il n'y a pas besoin des yeux physiques. Ce clair observateur peut observer les oreilles, la bouche. Il peut donner l'ordre de sourire et la bouche sourit. Nous sommes en train d'apprendre à utiliser notre observateur intérieur. C'est la pratique de Minjue. Et en même temps, nous apprenons à améliorer notre santé par l'intérieur en utilisant les fonctions de cet observateur intérieur.
Sa fonction primordiale, c'est de refléter. Il observe. Il observe la bouche. Et on sait bien, on vit bien que l'on observe la bouche. Sa deuxième fonction, c'est d'envoyer de l'information. Il décide de sourire. Vous décidez de sourire depuis l'intérieur, la bouche sourit. Souriez au nez. Observer et sourire se fait dans un même mouvement. Et c'est une sorte de douceur intérieure, de légèreté intérieure, un sourire intérieur qui se répand dans tout le visage. Dissout toutes les tensions, dissout tout le stress, dissout toutes les accumulations. À l'intérieur du cerveau, tout devient très doux et léger, comme un sourire. À l'intérieur de la tête, tous les vaisseaux sanguins, tous les vaisseaux nerveux, tous les muscles, les tendons, les ligaments se relâchent. Les os eux-mêmes se relâchent. Dans le cou et la gorge, toute la colonne cervicale se détend. La thyroïde se relâche, la trachée vers les poumons, l'œsophage vers l'estomac se relâche, se détend. S'améliore. Tout l'espace de la poitrine, des épaules et des bras sourit. Souriez dans l'espace de l'abdomen, et du bas du dos. Dites doucement en observant à l'intérieur de l'abdomen et du bas du dos. Est un son qui permet de nourrir les fonctions d'observation. Ça développe la capacité à observer depuis l'intérieur. Et en même temps, ça purifie l'observateur intérieur. Pairoi s'étire vers le haut, le menton rentre. Oreyin se ferme délicatement vers le haut en direction de Pairoi. Le sommet de la tête bouge d'avant en arrière. Sentez tout le corps de chi qui se relâche et se fond dans le champ de chi de sorte que les bords du champ de chi deviennent, les bords du corps de chi deviennent indistincts, deviennent flous, de sorte qu'on ne peut pas vraiment séparer le corps de chi de l'espace autour du corps de chi. Observez et souriez à la colonne du coccyx jusqu'au cerveau.
Toutes les vertèbres se relâchent. Tous les espaces intervertébraux s'ouvrent. Doucement, pressez Mingmen en avant et en arrière. Le bas du dos presse en avant. Le nombril presse en arrière. Le nombril et le bas du dos se répondent, chacun pressant l'un vers l'autre à son rythme. Sentez que ce mouvement passe au travers de toute la colonne et s'ouvre largement au travers de la colonne dans le système nerveux central. Se ramifie dans tout le corps, dans tous les organes. Professeur Way disait que si on devait pratiquer le minimum, il serait bon de pratiquer Minjue, d'observer depuis l'intérieur et de nourrir le chi du Tantien inférieur et de la colonne. Au minimum. Docteur Pang disait, rendez le chi abondant dans le cerveau et la colonne, et toutes les maladies peuvent disparaître. Car c'est le système nerveux central. Déployez toute la colonne par le mouvement de Mingmen, jusqu'au travers du cou, de la tête. Et l'étirement résonne jusque dans les doigts, jusque dans les pieds. Maintenant, tournez Mingmen. En avant, à droite, en arrière, à gauche. Fermez légèrement Ruiyin vers le haut. Et Ruiyin se connecte à Mingmen. L'observateur intérieur observe et sourit. C'est l'état de Minjue. Samedi et dimanche, je ne serai pas disponible pour animer la séance car je reviens au Japon. Si l'un d'entre vous a envie de l'animer, eh bien vous serez le bienvenu. Si personne ne souhaite l'animer, ce sera, je l'espère, un autre professeur qui prendra ma place.
changer de direction, tourner dans l'autre sens. Mingjue sourit. Mingjue est joueur et joyeux. Mingjue peut chanter une chanson à l'intérieur. Dominique, Nique, Nique s'en allait sur les chemins. Si les deux éléments centraux de notre pratique, observés par l'observateur intérieur, et être joyeux. C'est ce qui fait la santé de notre conscience, son équilibre et son harmonie. C'est le meilleur des médicaments, car il provient de l'intérieur. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous avez le droit d'être triste, anxieux, déprimé. C'est possible aussi. Doucement, arrêtez-vous et pressez Mingmen d'avant en arrière. Maintenant, le chi de l'axe central est devenu très abondant. Circule librement, tous les blocages disparaissent. 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 Toutes les fonctions s'améliorent. S'améliorent. Bougez librement. Ah, bougez les bras, bougez les jambes, les orteils et les doigts. Étirez-vous. Gardez l'observation depuis l'intérieur. C'est des étirements et des mouvements qui font entièrement partie de la pratique de Mingjue et du Dzogchen Qigong. Ça n'a plus de forme comme pratique, car ce n'est plus qu'une pratique de la conscience. Et c'est la pratique essentielle, car tout provient de la conscience. Tout dans notre vie existe dans notre conscience, c'est le cœur du sujet. Voilà, bougez librement, sentez que vous pouvez vraiment déverrouiller le corps, que tout circule bien, que tout va bien, que vous êtes plus beau, plus jeune, en bien meilleure santé, plus heureux, plus joyeux, plus vivant, plus humain. Nous avons tous 18 ans, sauf pour ceux qui ont 16 ans.
confirmer ces informations pour vous, car ces informations, lorsqu'elles sont données à partir de l'état dans lequel nous sommes, ont un impact sur tout notre champ d'énergie et toute notre cellule, toutes nos cellules, tout notre ADN. Dans cet état, si nous pensons avoir 18 ans, le champ d'énergie se transforme et toutes les cellules suivent. Pensez votre journée en souriez à votre journée jusqu'au soir, jusqu'à vous endormir très confortablement. Toute votre journée, ce champ de conscience et d'amour passe au travers. Et cela devient la toile de fond pour toute votre journée. Toujours, cette toile de fond aujourd'hui va vous soutenir, vous améliorer, vous transformer et vous nourrir. Pensez à tous ceux qui sont présents avec nous, tous nos camarades de classe, dans cette classe virtuelle, souhaitons-leur le meilleur. Et ils nous souhaitent le meilleur. Vos bénéfices sont ceux de tous. Les bénéfices de tous deviennent vos bénéfices. Une toile de fond très pure, harmonieuse et joyeuse est maintenant présente tout au long de notre journée. Rappelez-vous ce que vous voulez vraiment. Et cette journée va vous aider à vivre ce que vous voulez vraiment. Allah. Doucement, pour terminer, nous allons déverser le chi pour nourrir tous les espaces qui se sont ouverts. Gardez le bel état de Minjue et levez-vous doucement. Il est à peine 8 heures. Pour ceux qui ont des choses à faire, je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui ont un petit peu de temps pour déverser du chi et nourrir chaque cellule, chaque ADN, chaque organe, eh bien, je crois qu'on n'a pas grand-chose de mieux à faire. C'est notre premier petit déjeuner, se nourrir de chi. Les paumes de main forment une balle de chi. Les pieds se joignent. Soulevez le chi. Imaginez, ressentez que le chi se soulève depuis l'intérieur. Toute notre journée devient parfaite. Très bonne. Soulevez le ch'ti jusqu'au-dessus de la tête. Bienvenue chez le ch'ti. Jusque dans l'univers. Dans la galaxie. Galacta en grec, c'est le lait. C'est pour ça qu'on a aussi la voie lactée, le lait. Ce qu'il y a de bien chez le lait, c'est que c'est une substance blanche, claire et nourrissante. C'est une jolie analogie pour parler du chi originel, clair, lumineux. Source de toute vie qui nourrit toute vie. Avec tous les êtres qui prennent soin de l'harmonie de l'univers, soutenons-nous chaque jour. Harmonisons-nous chaque jour. Déverser le chi
Les paumes de main se superposent sur le sommet de la tête. Nous allons dire tome plusieurs fois et vous allez penser, nous allons penser tous ensemble que tous les blocages disparaissent à tous les niveaux, dans toute notre vie, dans tout notre corps, tout s'harmonise et s'ouvre. Inspirez. N'essayez rien de résoudre en particulier, simplement mettez-vous dans l'état, dans la confiance que le son tone ouvre tout, quoi que ce soit, tout se débloque. Continuez à votre rythme. Déversez le chi à l'intérieur du visage et du tantien supérieur. À l'intérieur du cou et de la gorge. Pur. C'est l'observateur intérieur qui observe dans les épaules et la poitrine. Restez les mains devant la poitrine. Et l'observateur intérieur observe les yeux. Confirmez pour vous-même l'expérience d'observer depuis l'intérieur. Confirmez-la. Confirmez l'observateur intérieur en tant qu'expérience personnelle, directe. N'ayez aucun doute sur le vécu de cette expérience. On peut douter d'un concept comme Ming Jue, c'est juste un concept, mais on ne peut pas douter que l'on peut observer par l'intérieur les yeux. On le vit. Observez les oreilles. Observez la bouche, les gencives et les dents. Observez le nez. C'est l'état de Minjue où l'on vit l'observation par l'intérieur. Observez dans le cou et la gorge, puis observez à l'intérieur de la poitrine. Puis les mains et l'observateur intérieur descendent, continuent à observer à travers du diaphragme et des organes. Travers de l'abdomen et du bas du dos. Au travers du bassin, penchez-vous en avant pour observer à l'intérieur des jambes. Tout est simplement basé sur l'observation. C'est très très simple. C'est juste inhabituel d'observer par l'intérieur. Alors il faut former une habitude.
Si on nous l'avait appris dès petit, ça ne poserait aucun problème. L'observateur descend jusqu'à l'intérieur de la terre-mère. Donnez-vous à la terre-mère, car elle vous donne tout. C'est la source de toute abondance, de tout bienfait, de toute protection. Nous pouvons nous donner, nous abandonner entièrement à la Terre-Mère. Elle est la source de toutes les sécurités. De toutes les joies, de tout l'amour. Formez une balle de chi, redressez-la par l'intérieur de la colonne. Imaginez, ressentez que le chi s'élève par l'intérieur. Jusqu'au-dessus de la tête. Dans l'univers. Pur et clair, avec tous ceux qui prennent soin de l'équilibre de l'univers. Minjue se répand dans l'univers, nourrit l'univers, éveille l'univers. Inspirez profondément et retenez votre souffle. Déverser le chi les paumes de main se superposent sur le sommet de la tête. Tourne et mettez-vous dans l'état, dans la confiance que tout s'ouvre, tout relâche, tout disparaît. Tous les blocages à tous les niveaux, dans le corps, dans la vie, dans la tête, dans le cœur, tous les niveaux. Inspirez. Continuez à votre rythme. Déversez le chi dans le visage et le tantien supérieur, les mains et Minjue se mettent devant les yeux, observez les yeux, et Minjue et les mains descendent dans le visage et le tantien supérieur, dans le cou et la gorge. Dans les épaules et la poitrine. Dans les organes internes et
l'abdomen, le bas du dos, tout le tantien inférieur. Dans le bassin, penchez-vous en avant, observez dans les jambes. Les mains observent de l'extérieur, Minjue observe de l'intérieur. Observez dans la terre-mère profondément. Et donnez-vous, abandonnez-vous à la terre-mère, corps et âme. Laissez-vous aller. Tout ce dont vous n'avez plus besoin disparaît. 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 Avec tous ceux qui prennent soin de l'équilibre de la terre-mère, merci. Soutenons-nous chaque jour. Formez une balle de chi, soulevez-la par l'intérieur de la colonne. Ressentez, imaginez le chi qui s'élève à l'intérieur. Jusqu'au-dessus de la tête. Dans l'univers. Inspirez et retenez votre souffle. Tout le pur chi revient en permanence. Déverser le chi superposer les mains sur le sommet de la tête observer tout le corps de chi de l'intérieur tout devient pur avec le pur chi et les mains qui résonnent au travers de tout le corps, au travers de votre vie. Tous les blocages disparaissent. Inspirez. Disparaissent. Le chi et le sang sont abondants partout, partout, abondants, abondants, abondants. Circulent librement, 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 librement. Tous les blocages disparaissent, disparaissent, disparaissent. Disparaissent. Toutes les fonctions s'améliorent, 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 s'améliorent. Voilà. Déverser le chi au travers du visage et du tantien supérieur.
Nourrissez, aimez, purifiez. Dans le cou et la gorge, pur, nourri, aimé. Dans les épaules et la poitrine, dans l'abdomen, les organes et le bas du dos, dans le bassin et les hanches, penchez-vous en avant, observez dans les jambes. Observez jusque dans la terre-mère. Donnez-vous, abandonnez-vous à la terre-mère. Tout ce dont vous n'avez plus besoin disparaît. 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 Formez une balle de chi qui s'élève par l'intérieur de la colonne doucement. Observez, ressentez. Chi qui s'élève par l'intérieur. Tout devient de plus en plus pur, harmonieux et uni. Tout devient de plus en plus sain. Et de nouvelles fonctions s'éveillent. Et des fonctions anciennes se rétablissent, suffisamment nourries, suffisamment aimées, redeviennent fonctionnelles. Jusqu'au-dessus de la tête, dans l'univers, inspirez profondément le pur chi et retenez votre souffle. Déverser le chi. Superposer les paumes de main sur le sommet de la tête. Inspirer. Déverser le chi au travers du visage et du tantien supérieur. Au travers du cou et de la gorge. Au travers des épaules et de la poitrine, des organes. À travers du diaphragme et des organes,
superposez les paumes de main sur le nombril. Minjue passe au travers du bassin et des jambes. Respirez avec profondeur et douceur. Confirmez que vous êtes plein de chi. Vous êtes plus jeune, plus beau, plus vivant et en bien meilleure santé. Plus humain et une superbe journée vous attend. Confirmez-le. Quoi que votre journée contienne, la qualité de votre journée est superbe. Et moi, je vais avoir un superbe voyage de retour au Japon. Et chacun va avoir une superbe journée. Séparez les mains, gardez les yeux fermés, bougez librement et laissez Mingjue observer partout. Laissez l'observateur observer partout à l'intérieur, en mouvement. Confirmez que tout circule bien, partout, partout Tatis. Bougez librement jusqu'aux orteils, jusqu'au coccyx, dans les vertèbres, dans les organes. Dans les yeux et la langue, bougez, activez et confirmez que tout s'active, que tout circule. Tirez la langue, personne ne vous regarde. Ah! Bougez le nez et les oreilles. Tout va mieux, tout va bien. Tout est là. Voilà. Et doucement, ouvrez les yeux. Merci Nicolas, merci à tous. Merci à tous, Sylvie Sorian. Merci, bonne journée. Ciao là. Bonne journée. Merci Nicolas. Merci, au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Très belle journée. Voilà. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.